Sinon, ça va, tu gères bien le virage. Quel virage? Pourquoi tu parles? Non, rien. Si, si, vas-y, balance. Non, non, mais je... Mais t'as l'air de savoir un truc que je sais pas. Vas-y, dis. Mourad. Ouais. Ça me regarde pas, c'est entre vous. Non, ok, ça te regarde pas, mais vas-y. Et pas de ça me regarde pas, dis-moi ce que tu sais, et puis Je suis désolée, je croyais que tu savais. Et je sais quoi? Mourad, tu vois bien, c'est bizarre, tu vois, je suis là, tu rentres, tu sors, t'as les clés... C'est lui qui m'a donné les clés, Lucia. Ouais, d'accord, mais là, maintenant, les choses ont changé. On est ensemble, c'est plus pareil, il a envie d'avoir des expériences nouvelles, il a envie de voler de ses propres ailes, et puis même toi... C'est lui qui t'a dit ça? Oui, il m'a dit ça, il m'a même dit que tu le savais, que vous étiez d'accord, que tu trouvais ça bien pour toi, pour lui... De quoi tu parles? Mais arrête, de quoi tu parles? Non, mais je sais pas... Tu sais rien du tout. Non, mais c'est ce qu'il m'a dit. On est bien d'accord, d'accord. Toi, tu viens, tu débarques, là. Mm. Nous, ça fait 15 ans qu'on est sur les routes, on a fait le Tour de France pour 3 francs 6 sous, on a fait des tourcoins lits à pied sous la pluie. T'étais où, toi, à ce moment-là? Toi, tu viens, tu prends le train en marche, t'es une pique assiette. T'es une opportuniste. Moi, je trouve des contrats, je trouve des pubs, je trouve des vannes. Donc qu'est-ce que tu sais, toi, comment on travaille? Juste ferme ta gueule. D'accord? Juste ferme ta gueule. T'es bien là où t'es? D'accord. Ok? Non mais je sais ce qui te fait chier, toi. Tu sais très bien que t'es une meuf de passage ici, toi. Parce que je sais pas si t'as remarqué, on dit ex-femme, mais on dit pas ex-frère. D'accord? Donc pose-toi la question de savoir où il est là. D'accord? Parce que moi je l'ai vu en taper des culs, tu seras pas la première, tu seras pas la dernière. Donc juste demande-toi où il est là maintenant tout de suite. Ok? Parce que ça défile, crois-moi.